Bonjour et bienvenue à tous les Capricornes et les Ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Je vous le rappelle, c'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Nous sommes des millions sur la planète, donc voilà, il faut vraiment que vous preniez ce que vous avez à prendre. Donc ici, c'est Fabrice Baumann, coach intuitif humaniste. Allez, c'est parti. Donc pour les abonnés, n'hésitez surtout pas à cliquer sur la cloche de notification. Et bien sûr, pour les nouveaux arrivants, bienvenue à vous. Allez, c'est parti, on y va. Sans plus tarder, nous allons voir ce que ce mois de décembre vous réserve. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs toute l'année? Ici, on voit que vous avez eu beaucoup de choix à faire. Est-ce qu'ils ont été vraiment positifs ou pas? Nous allons donc le voir dès maintenant. On voit ici d'ailleurs beaucoup de manque d'amour de vous-même. Ah oui, il va falloir travailler énormément. Voilà, ici on a la lame de l'indécision. On voit ici donc très clairement que vous ne savez pas ce que vous voulez réellement. Vous avez du mal à apprendre à vous connaître. Oui, pourtant vous vous êtes introspecté, vous savez un petit peu. Mais ce n'est pas encore ça. Il faut continuer à apprendre. La fée du mildiou vous l'indique très clairement. Ici, c'est l'heure du ménage. Il faut que vous vous appreniez à vous connaître davantage. Bien sûr, ça va être très difficile, oui. Ici, on a Marie Mascarade qui, pour vous, c'est tout à fait incompréhensible. Vous comprenez? L'ange du temps vous l'indique. Vous travaillez trop dur. Ça veut dire quoi en fait? Tout simplement, la vie est un jeu, c'est un processus, d'accord? Alors pourquoi travailler difficilement pour avoir un petit salaire, pour avoir une petite vie de couple? Le plus important, c'est de travailler sur vous-même pour que vous puissiez avoir une estime de vous et une confiance énorme dans ce monde. Pour avoir de l'argent, il ne faut pas avoir d'argent, il vous faut du courage. Et la souveraine vous l'indique très clairement. C'est votre doux pouvoir. Il te manque le courage pour passer à l'action. Tu as cette peur d'agir. Tu as la peur d'agir. Et c'est assez dommage. Pourquoi? Parce que ici, Brigide, la guerrière, d'accord, la guerrière de lumière, t'indique que nous ne faisons qu'un. D'accord? Nous sommes ici pour expérimenter notre vie dans la lumière. D'accord? Donc, ici, on voit énormément de croyances et de blocages limitants qui t'empêchent de te réaliser complètement. La reine des elfes des bois sombres te l'indique. Quel est donc ce mystère à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à progresser? Bien sûr, Blonde Moon t'indique le sacrifice, la décision et les offrandes. Trois clés qu'il faut que tu mettes en place pour que tu puisses réussir ta propre existence, ta propre vie. Il va falloir faire des sacrifices. Pour toi, ça va être des sacrifices. De ne plus regarder les actualités à la télé. C'est quoi ces sacrifices pour toi? Parce que tu es gourmande, d'enlever cette malbouffe pour avoir un meilleur cœur physique, pour te sentir mieux, dormir mieux, avoir une meilleure santé, pour avoir une meilleure alimentation. Quels sont donc ces sacrifices qu'il faut que tu mettes en place pour que tu puisses aller vers ta propre réussite? Bien sûr, la métamorphe t'indique la transformation, la sagesse primitive. Ça va être une étape très importante pour toi.
Donc maintenant, il y a trois étapes qui vont t'amener vers ta valeur. Il va falloir que tu augmentes ta valeur. La première des étapes, c'est Mélusine qui te l'indique. Il va falloir que tu reprennes confiance et une belle estime de toi. D'accord ? En t'aimant davantage. Il n'y a aucune personne qui peut t'aimer plus que toi-même. D'accord ? Donc le plus important, c'est de te faire un gros câlin du cœur, d'arriver à t'aimer en priorité. Et comment on fait tout ça pour arriver à s'aimer ? Tout simplement en étant dans l'action. Ici, il y a le cheval noir, le cheval blanc. Lequel des deux tu mets en place? Tu vas me dire, ah oh, ben moi je passe à l'action, je suis le cheval blanc. Mais si tu passes à l'action en mettant des mauvaises stratégies, ben tout simplement tu tournes comme une souris dans sa roue. Elle tourne en permanence. Voilà, tout simplement. Donc tu n'avances pas et qu'est-ce que tu fais? Tu ne progresses pas. Parce que la progression, ça va te demander un effort. C'est faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Sortir de ta zone de confort et passe à l'action pour obtenir des nouveaux résultats. Et c'est comme ça qu'avec le temps, la patience, la persévérance, tu vas arriver à percer cette porte et faire sortir de toi toute cette valeur que tu as en toi. Et tout est en toi. Réveille-toi, tu es encore là? Oui, tu es encore là, réveille-toi. La porte vers la valeur, c'est ton ouverture de ton cœur. Dès que tu es engagé, passionné dans ce que tu fais, quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose où tu pourrais faire ça à longueur de journée, alors je te l'assure réellement que ta vie va changer, va prendre un nouveau tournant. Voilà. Tout simplement parce que tu seras focalisé sur le seul et unique objectif, c'est ton plan A, c'est d'aller vers ta propre réussite et tu seras sur la bonne voie. J'espère que cette guidance, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à la partager. Et vu que je suis un coach intuitif humaniste, voilà comment ma communauté m'appelle. Je t'invite tout simplement à cliquer en dessous là, dans la barre de description pour que tu puisses t'offrir mon livre « De l'inconscience à la renaissance ». Et vu que je suis généreux avec toi, tout simplement, je vais te donner un petit avant-goût, tu vois. Je vais t'offrir les 6 premières pages de mon livre, tout simplement. Donc tu peux y aller, c'est totalement gratuit. Et si tu souhaites me soutenir, il y a un lien Tipeee. Si tu cliques dessus, tu pourras donc apprendre à me connaître davantage et bien sûr, tu verras tous les services que je te propose. Sur ce, je te souhaite une excellente et lumineuse journée et je te retrouve de l'autre côté. Je te le rappelle, c'est uniquement sur rendez-vous. Clique en dessous et tu verras, il y a mon adresse email. Voilà, tout est là. Il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Passe à l'action et contacte-moi. Ciao.